Benoît Chamontin en direct d'Effects MTL pour la première édition et je suis avec Marine Lelièvre qui était l'organisatrice de cet événement. Bonjour Marine. Bonjour. On vient juste de terminer et écoute, je ne vais pas forcément te demander de dresser un bilan, mais en tout cas c'était deux jours intensifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que toi tu as vu pendant ces deux journées ? Alors oui, c'est vrai que le bilan est vraiment positif. Après ces deux journées-là, on a eu quand même, on a été au-delà de nos attentes en termes d'objectifs. On était, je pense, autour de 1000 participants pour une première édition. C'est assez formidable. Et puis surtout, je pense qu'on avait toute l'industrie autour de la table. On a réussi à avoir les écoles, des partenaires dans le monde entier, des studios du monde entier, et puis vraiment des artistes. Des professionnels de l'industrie, puis des fournisseurs de services et de logiciels. Donc je pense que c'était très complet en termes de représentation au niveau de l'industrie internationale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est vrai que les activités ont été vraiment bien réparties. Et je crois que tout le monde a pu profiter et du Salon de l'Emploi aujourd'hui, et de la projection du best-of des écoles, et des rencontres des studios, et puis des conférences, des différentes conférences qu'on a proposées. Une trentaine de conférences sur deux jours, c'est quand même pas mal. Et puis l'espace affaires a été occupé aussi souvent avec de nombreux rendez-vous d'affaires et pour développer des ententes. Et je crois que les événements aussi qu'on a un petit peu moins vus, qui étaient plutôt en retrait par rapport à l'événement, puisque c'était des événements d'affaires ciblés qu'on a organisés, comme des petits déjeuners sponsorisés par des studios ou par des services, des fournisseurs de services, et qui ont été un gros succès. Les retours sont très positifs. Écoute, c'était une première édition. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée de créer cet événement ? Je sais qu'on vous connaît pour le Mix, on vous connaît pour la Game Connection. On retrouve un petit peu ce même esprit dans cette édition-là. C'était quoi l'idée de départ ? L'idée de départ, elle est pas mal liée à mon parcours et au marché au Québec. Moi, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie. Jeux vidéo, capture de mouvement, animation et effets spéciaux aussi sur plateau. Et j'étais dernièrement directrice de la grappe audiovisuelle au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Et pendant ce temps-là, je me suis aperçue, j'ai représenté 300 entreprises dans le secteur au Québec, c'est énorme. On a fait des études et je me suis aperçue que le Québec était placé au niveau du 4e pôle mondial sur la carte, au niveau effets visuels, animation. Et il n'y avait pas de tel événement vraiment existant côte est au niveau de l'Amérique du Nord, et encore moins une conférence d'affaires pour l'industrie des effets visuels et de l'animation. Donc c'est vraiment là que j'ai eu le déclic, et on a décidé avec Connection Events de développer cet événement en me basant sur leur expertise depuis plus de 10 ans sur le développement de conférences d'affaires dans le monde entier. Écoute, moi, ce que j'ai vu en deux journées, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais je me suis rendu compte aussi que finalement, on entend beaucoup de parler des jeux vidéo à Montréal, au Québec, mais on entend moins parler des effets spéciaux. Est-ce que il y a un problème de communication au Québec localement ? Je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il y a une stratégie de développement qui était un petit peu différente. Et je pense que l'industrie a besoin, et c'était un petit peu, l'objectif d'Effects Montréal. Et c'est vraiment réussi dans ce sens, c'est qu'on avait envie de fédérer l'industrie, de mobiliser les acteurs de l'industrie, mais l'ensemble de la chaîne, du lieu de tournage à la post-production, en passant par les effets visuels, l'animation. Et je pense qu'on a essayé de rassembler cette industrie et pour offrir vraiment une plateforme et un outil de réseautage, de développement, et soutenir l'industrie dans son développement économique et industriel. Et je pense qu'on a réussi à faire ça avec Effects Montréal. Et c'est vraiment un début, justement, du regroupement de l'ensemble de l'industrie audiovisuelle pour le Québec. On a vu Regency, on a vu NBC, on a vu beaucoup, beaucoup de studios internationaux, de studios aussi du Québec. Pour une première édition, c'est quand même énorme. On s'attend en quoi pour la prochaine édition déjà ? Ben on s'attend à... En fait, l'idée, c'est vraiment de faire évoluer le modèle par rapport à... Le concept, c'est plutôt de répondre à des besoins et des enjeux de l'industrie, faire évoluer le modèle. Et je pense qu'on va garder quand même un modèle de conférence d'affaires qui fonctionne très bien, mais plutôt développer des partenariats et creuser des idées avec les studios et les partenaires.
pour l'année prochaine. Et peut-être avoir plus d'écoles aussi participant au niveau du salon. Je pense qu'il faut développer la présence des écoles pour faire rayonner vraiment le talent au niveau international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et évidemment, vous pouvez nous retrouver sur geeksandcom.com pour des actualités sur les jeux vidéo, la culture geek et les nouvelles technologies.